Je vous propose de découvrir en images un nouveau couple de primo-accédants. Christophe et Sandra ont choisi également Babo Séguin pour construire leur maison. Ce jeune couple, qui réside en centre-ville, a décidé de s'installer à la limite de leur agglomération. L'objectif? Avoir plus d'espace pour eux et leurs deux enfants. Reportage. C'est sur ce terrain que Babo Séguin construira la maison de Christophe et sa petite famille. La société de construction lui en a proposé plusieurs et avec sa compagne, il a choisi celle-ci à Saint-Julien-les-Villages. Je voulais quand même un terrain qui se situe proche de la ville, avec les commodités assez proches. Donc si on va de ce côté-là, du côté de Brévian, dans 5 minutes, il y a les bus de ville. Les démarches ont été assez longues parce que pour faire le choix du terrain, c'est pas facile. Je veux dire, il faut prendre son temps, c'est pas un achat, c'est quand même un achat assez conséquent. Donc il faut faire le bon choix. Et puis je veux dire, à partir du moment qu'on a trouvé le terrain, on a mis en place, on a choisi une maison sur leur catalogue et puis on a fait des aménagements intérieurs suivant nos aspirations. La maison choisie par Christophe et Sandra, c'est la Ménilière. Ce qu'ils ont apprécié, c'est notamment la modularité. Notre choix s'est plus porté sur l'agencement intérieur plutôt que sur l'aspect extérieur de la maison en elle-même. Après, c'est vrai que quand on regarde la Ménilière en elle-même, elle est quand même assez jolie d'extérieur. Mais le plus important pour nous, c'était l'agencement intérieur pour pouvoir faire des améliorations. Nous avons fait des améliorations dans le séjour. À la base, c'était deux porte-fenêtres ici que nous avons remplacées par une baie vitrée de 2,40 m. S'il nous arrive quelque chose, vu que nous avons des enfants, plus tard le bien leur appartiendra. Je veux dire, ils auront quelque chose pour démarrer dans la vie. Donc, puis voilà, après c'est un confort de vie. Je veux dire, là-bas on aura un terrain, donc les enfants pourront jouer. On aura un autre mode de vie qui sera plus agréable plutôt que dans un appartement avec des vis-à-vis et sans bout de terrain pour s'amuser pour les enfants, quoi, du moins. Avec deux enfants, ils ont aussi fait le choix d'une maison de plein pied. Et s'ils ont choisi Babo Séguin, c'est par le bouche à oreille. En fait, j'ai un couple d'amis qui a fait construire il y a assez récemment. Donc ils ont fait le tour des pavillonneurs pour voir lequel était le plus intéressant. Il s'est avéré qu'au final, ils ont retenu Babo Séguin. Donc comme moi, je leur fais confiance, j'avais pas envie de faire le tour des pavillonneurs. Donc on est allé se renseigner sur Babo Séguin. On a été très bien accueillis par Esther. Et donc le choix s'est porté tout naturellement sur Babo Séguin. Le terrain est désormais en cours de viabilisation. D'ici l'été prochain, toute la petite famille pourra démarrer une nouvelle vie.